Bonjour. Alors, nouvelle étape. Je vais fabriquer, réaliser un escalier en terrazzo. D'ailleurs, je suis assis dessus. Ça, c'est le brut, c'est du bois. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour le moment. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, je vais réaliser le coffrage. On va démonter l'escalier provisoire là, qui nous a servi pour les travaux. Donc je vais m'occuper de calculer l'escalier et faire un balancé. Voilà, plus. Voilà le trou. Maintenant, je vais coffrer. Voilà, j'ai encore enlevé un panneau. Alors au tout début, j'avais coffré un mur déjà décoré. On s'était servi du carrelage pour coffrer un mur bétonné derrière, à la chaux et au moellon. Alors je pense que celui-là, ce morceau de mur-là, il va disparaître dans les escaliers. Alors voilà ce que ça donne. Une fois le coffrage fait. Alors j'avais deux options. Faire un escalier droit qui m'aurait ramené un peu plus loin sur le devant de la porte là. Ou un escalier balancé. Donc j'ai choisi plutôt le balancé. Donc pour réaliser le tracé des marches, j'ai pris la règle de Monsieur Blondel. Et ça m'a aidé à calculer les girons, donc on va dire l'emmarchement qui doit être minimum de 25 au niveau de l'axe de la marche. Et la hauteur, elle sera de 16. Donc au départ, le minimum c'est 17, nous on a 16 finis, donc on est dans les bonnes côtes.